Salut les copains, bah écoutez, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous remercier parce que on a dépassé les 800 abonnés, on est à 804 abonnés. Et sinon, alors donc merci beaucoup, hein, je m'y attendais pas du tout quand j'ai créé la chaîne. Alors pour les défis de tourment, il y en a deux qui sont très compliqués, enfin de mon point de vue. Il y a celui-là, donc faire 30 éliminations, enfin c'est pas que c'est compliqué. Vous allez voir. Faire 30 éliminations en multijoueur dans Infecté ou éliminer des ennemis spéciaux ou élites en zombies. Alors là, je vous conseille de faire Infecté. Bon, la première partie, si vous avez jamais joué, vous allez pleurer. Mais après, bon, vous faites en 2-3 parties le truc. Mais alors celui-là, vous avez donc terminé dans le top 3 en mode match à mort, scream, ou parvenez à vous exfiltrer en mode contagion à Halloween. Alors, l'exfiltration en mode contagion à Halloween, je ne sais même pas si c'est possible. J'ai fait au moins une dizaine de parties, bon, avec des joueurs plus ou moins balèzes, avec des mecs qui... Mais bon, j'ai fait une ou deux parties avec vraiment des très bons joueurs. Et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à s'exfiltrer. Donc voilà. Alors sinon, les matchs à mort, le top 3 des matchs à mort Scream, c'est pas évident. Bon, j'ai pas fait beaucoup de parties, j'en ai fait 5 ou 6. Et le mieux que j'ai fait, c'est quatrième, évidemment. Alors, pour tout vous dire, je vais sûrement tenter les 10 fantômes ennemis en Warzone, parce que en Verdansk, parce que je sais pas comment je pourrais faire. Voilà. Bon bah écoutez les copains, voilà, c'était juste pour vous remercier de votre présence. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui, voilà, hein, à suivre, je vais vous mettre quelques images de Match à mort Scream, d'infectés. Peut-être que ça vous plaira. Voilà, allez, en tout cas, un petit like, un commentaire, un partage, et à bientôt les copains. Salut! Bon, donc nous voilà en infecté. Alors, en fait, là, c'est. Alors, vous voyez, vous avez 5 types de classes: bagarreur, empaleur, chargeur de plomb, perforateur, chasseur de tête. Et vous n'avez pas le choix. Vous avez que ces armes-là. Donc, le but du jeu, ben, c'est pas difficile. Hein, c'est de. Vous avez un infecté, voyez, et cet infecté bah, va devoir infecter tout le monde, et les autres, bah, leur but c'est de rester en vie. Voilà. Donc je vais vous mettre. Je vous cache pas que c'est un peu un mode de jeu à la camp, hein, parce que. Enfin, quand vous êtes du côté des non-infectés, hein, parce que quand vous êtes du côté des infectés, vous êtes mal. Et donc bon, voilà, je vous laisse avec l'ambiance du jeu. Je vous dirai si j'ai des choses à raconter. Donc vous allez voir qu'à un moment, je me fais tuer par un infecté et donc je me retrouve moi-même infecté. Et on se retrouve dans 2 minutes là pour le même pas pour le deuxième mode de jeu, match à mort. Ne vous inquiétez pas, je suis là. 804 abonnés, vous vous rendez compte? Non mais c'est un truc. J'aurais jamais cru ça. Ennemi abattu. Mine de gaz déployée. Alors si vous entendez des bruits derrière, c'est Madame mon épouse, Madame Papy et Mamie quoi, qui râlent. Alors bon, vous allez me dire c'est normal. Donc vous voyez, ça y est. Donc là, je suis infecté et je dois aller. Alors il en reste plus qu'un, enfin moi quand je vais commencer à sortir de ce truc où je trouve pas la sortie, eh ben il en restera plus qu'un et il va être tué assez rapidement parce que tout le monde va vous sauter dessus, comme la pauvreté sur le monde, ou sur la petite vérole, si vous m'interrogez, comme je vous disais, dans le temps où on pouvait parler. Donc voilà, vous avez vu. Maintenant, Match à mort Scream. Alors, Match à mort Scream, c'est autre chose. Bon là, je vous mets juste un petit bout de manche. Vous voyez, là, lui, il n'a pas eu de bol, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 5 ou 6 manches, ça dépend. Je ne sais pas de quoi. Et puis, donc, il y a au début de chaque manche, il y a un tueur qui est choisi. Enfin, deux tueurs qui sont choisis. Et des fois, c'est vous. Enfin, c'est rare que ce soit moi. Et des fois, c'est les autres. Donc, le but, évidemment, c'est de tuer
quand il en reste plus qu'un de survivant, il a un sabre et là il devient extrêmement dangereux, il peut gagner, il est à 1 contre 2, mais il est très puissant. Voilà les copains, d'ailleurs voilà ce qui va se passer, hein, il nous a tués tous les deux, et j'ai fini 4e, donc j'ai pas eu le défi. Allez, salut les copains, et à plus.